Internet est un espace infiniment grand d'informations. On peut y trouver toutes sortes de choses, que ce soit des recettes de cuisine, des vidéos explicatives sur le rap, ma page Instagram, ou même des tutos pour comment monter des escaliers. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour monter et descendre des marches d'escalier. Bref, vous l'aurez compris, on y trouve de tout, mais on y trouve tellement de tout que parfois, quand on s'enfonce dans ses profondeurs, des choses mystérieuses, glauques, perturbantes peuvent arriver jusqu'à nos yeux, et à nos oreilles. Et aujourd'hui, je vous propose de visiter avec moi les tréfonds les plus sombres d'Internet dans le premier épisode de cette série. Accrochez vos ceintures. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série d'ailleurs que je lance sur la chaîne. Alors pour vous expliquer rapidement le concept, j'ai sélectionné 4 histoires. Bon, en réalité, ça peut être un peu plus comme ça peut être un peu moins, ça dépend de la longueur de celle-ci. Et à chaque fois, ces histoires vont de plus en plus vers le glauque et vers l'étrange. Alors on pourrait rapprocher le concept un peu de l'iceberg, sauf que là, bah, y a vraiment beaucoup, beaucoup moins d'histoires. Mais du coup, ça fait qu'on peut plus rentrer en détail dans celle-ci. Alors je me suis un peu inspiré du youtubeur Nexpo avec sa série Disturbing Things Around the Internet, avec mon superbe accent anglais. Mais voilà, en le remaniant un peu à ma sauce et aussi en choisissant d'autres histoires. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je raconte pas mal d'histoires mystérieuses souvent liées à la culture d'Internet. Donc si vous aimez regarder des vidéos plus ou moins longues en mangeant ou avant d'aller vous coucher, et bah vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Aussi, je vous l'annonce maintenant, mais après cette vidéo, il n'y en aura plus pendant un petit moment, environ un mois, peut-être même un petit peu plus, je sais pas encore. Mais normalement, si tout se passe bien, je reviens avec un gros projet, un projet que j'ai en tête depuis plusieurs mois déjà. Donc si vous voulez me suivre quand même en parallèle de, bah, des vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou encore Twitter, comme ça vous aurez d'ailleurs des petites avant-premières avant les autres. Et sur ce, on est parti. Ok, donc on commence avec une histoire tranquille, mais je l'aime bien, vous allez comprendre pourquoi. Le 22 septembre 2007 est sortie une vidéo sous le nom de Dorstuck Dorstuck sur la chaîne d'un certain Kinetic001. Cette personne en question a enregistré une séquence du jeu Counter-Strike dans laquelle on le voit courir après un de ses coéquipiers pour finalement parvenir à le bloquer dans une porte. Trouvant la scène drôle, il décide de la poster sur YouTube en pensant faire le buzz, et c'est le bide. Voilà, il devait y avoir une vue, c'était sûrement la sienne d'ailleurs, mais au fur et à mesure que les années passent, sa vidéo commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur la plateforme. Elle prend tellement d'ampleur que ça devient un véritable mème dans la scène de CSGO. Et c'est à partir de ce moment-là que le créateur de la vidéo apporte un peu plus de contexte. Il dit qu'il s'agissait simplement d'un test de logiciel d'enregistrement d'écran, Fraps, qui était beaucoup utilisé à l'époque. Bon, alors perso, j'étais plus de la team Camtasia Studio 7 pour les connaisseurs, mais bref, c'est pas le sujet. Et à ce moment-là, il payait un service lui permettant de modifier le matchmaking des parties pour lui permettre de tomber contre des adversaires plus forts dans l'objectif de s'améliorer. Et là, il tombe contre ce fameux joueur. Il dit aussi qu'il était assez mauvais en règle générale sur le jeu, et en l'occurrence, il était dernier de son équipe dans le classement. Contrairement à cet autre joueur qui lui figurait parmi les premiers. Pendant qu'il chantait pour montrer sa joie, Kinetic001 lui était clairement saoulé de sa game, alors il a décidé de troller un peu, et le moment inattendu se produira. Cette vidéo est devenue tellement virale qu'à l'occasion des 20 ans du jeu, un sticker Dorstuck a été ajouté au jeu. Mais là où je trouve que cette histoire est encore plus fascinante, bah c'est le fait qu'il y a une histoire dans une histoire. Effectivement, en juillet 2022, lorsque l'on se rendait sur la vidéo originale, on pouvait voir que l'audio de celle-ci était devenu copyright. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune musique ou chanson dans la vidéo. Exterior like fish eggs, interior like... Mis à part le joueur qui chante du Snoop Dogg, mais ce n'est a priori pas ça, puisque le soi-disant détenteur des droits se nomme Bob Tick. Ce qui veut dire qu'à présent, tout l'argent généré par cette vidéo n'irait plus à son propriétaire, mais à un escroc qui est parvenu à voler les droits.
Rapidement, Kinetic réagit en sortant une vidéo qui explique la situation. Il dit que sa chaîne a apparemment été démonétisée puisqu'il s'est mis à poster publiquement une myriade de musiques copyright, sûrement une loi de YouTube. Il a par la suite supprimé toutes les musiques et a tenté de redemander la monétisation, mais on lui dit que sa vidéo restante, donc Doorstuck, fait elle aussi l'objet d'un copyright. Il fait alors appel face à cette décision, mais on lui dit qu'il n'a pas assez de preuves qui justifient qu'il est l'auteur original. Ce qui est quand même assez ironique puisque littéralement tout le monde sait que c'est lui. Ne supportant pas la situation, il ira même jusqu'à dire que si YouTube ne fait rien, il se verrait dans l'obligation de supprimer la vidéo. And so I submitted a video appeal, which I have since deleted. It was an unlisted video, but basically explaining the situation and that, you know, I'm definitely the original uploader of this video and I'm okay with deleting the music if I can just keep staying in the partner program as I have been for a decade. Mais qui est ce fameux Bobtik? En effectuant quelques recherches, on voit qu'il est présent sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Music ou encore YouTube. Il poste une quantité astronomique de musique, toutes très spéciales. Bon, je ne mets pas trop longtemps puisqu'après je risque de me faire copyright à mon tour, ça serait bête. Mais en gros, ce qu'il semble chercher à faire, c'est trouver des potentiels proies qui possèdent des vidéos courtes, connues, qui ne possèdent pas de droits, de reprendre leurs sons, de les enregistrer dans un label pour se les approprier. Il avait donc fait ça pour Doorstuck qui avait posté une vidéo sous le nom de Stonestuck, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui grosso modo répétait en boucle le son de la vidéo originale. En plus de ça, dans la description, il prétendait que le son était sorti environ 6 mois avant la date de la sortie de la vidéo officielle, ce qui est techniquement impossible. Mais pour en revenir à Kinetic001, sa vidéo a semblé faire bouger les choses, puisque nous ne retrouvons plus le bandeau de copyright en bas de la description et semble en avoir retrouvé la monétisation. Car il le dit clairement, cette vidéo lui permet de générer des revenus non négligeables chaque mois. Depuis, Bobtik n'est plus actif, mais on ne sait pas s'il a eu des sanctions ou pas par la suite. Et on clôt cette histoire sur qu'est devenu le gars coincé dans la porte. Eh bien, son pseudo c'est Jordan R et est toujours plus ou moins actif sur internet, poste des gameplays de Warzone et stream de temps à autre sur Twitch. En début d'année 2022, un compte TikTok apparaît sur la plateforme et présente un contenu perturbant mettant en scène de la nourriture en mouvement, comme si elle était un être vivant à part entière. On peut y voir par exemple des bananes le plus souvent. Alors l'explication de la part du compte, c'est qu'il s'agirait d'expériences de laboratoire visant apparemment à donner la vie à de la nourriture, comme l'est écrit dans la description de l'une de ses vidéos. Banane biologique cultivée en laboratoire et autosuffisante. Une semaine plus tard, il poste une autre vidéo et cette fois-ci, il semble y avoir des améliorations dans son expérience. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Le projet Lab Banana avance plus vite que prévu. 2022 démarre bien. Et effectivement, quand on regarde la vidéo, on voit que la banane commence à effectuer des mouvements semblables à une respiration. Troisième vidéo. Cette fois-ci, la banane semble affectueuse comme un chiot réceptif aux caresses de son maître. Puis il finira par annoncer que l'une de ses bananes s'est échappée et que si quelqu'un la voyait, il devait le contacter immédiatement. Ce que quelqu'un a sûrement dû faire étant donné que deux semaines plus tard, il nous montre la banane semblant dans un état critique de déshydratation. Puis ses expériences se diversifieront avec des raviolis, des steaks hachés, des œufs et des choses bizarres comme ça. En traversant l'espace commentaire, on peut y lire une pléthore de théories comme celle du stop motion. Le stop motion qui est une technique d'animation permettant de créer l'illusion du mouvement d'un objet censé être immobile. Pour ce faire, il faut prendre une multitude de clichés tout en bougeant légèrement l'objet entre chaque photo et en associant toutes les images les unes à la suite des autres, l'illusion est créée. Bon, alors déjà c'est assez fastidieux, mais surtout dans certaines vidéos, on le voit manipuler les sujets, donc on peut d'ores et déjà supprimer cette possibilité. D'autant plus que lorsque l'on regarde en détail les aliments, ils font relativement faux. Regardez par exemple les frites McDo, bah elles ont une tête un peu bizarre, donc pourquoi faire du stop motion sur des faux aliments? Ça n'a pas de sens. Une autre théorie, c'est que dans les aliments se trouverait un verre, un peu comme le phénomène qui se produit avec les mantes religieuses. Au cours de leur vie, un parasite entre dans leur corps, et une fois arrivé à maturité, il peut en prendre la possession. Sauf qu'implémenter manuellement un verre dans une banane,
Bah, c'est incontrôlable, ça serait trop aléatoire, d'autant plus que les mouvements sont relativement les mêmes, répétés en boucle. D'autres pensent que c'est avec un fil ou encore avec un trou caché dans la table que le mouvement est créé, mais ces hypothèses ne sont toujours pas convaincantes. Et s'il y avait un système électronique à l'intérieur ? Dans une vidéo, il montre soi-disant une de ses bananes en train de se rétablir d'une intervention chirurgicale. Et on y voit à l'intérieur des sortes de petits fils. Alors je ne sais pas si ce sont ceux-là précisément qui font bouger le fruit, mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a un système interne. D'ailleurs, il y a un petit running gag qui revenait en commentaire, c'était que la nourriture provenait de l'Ohio. Alors c'est assez compliqué de résumer le délire, mais l'Ohio est un état des États-Unis, et il est souvent l'objet de vannes par milliers, un peu comme nous qui vannons le nord de la France pour certaines raisons. Et là où je veux en venir, c'est qu'il a laissé un petit easter egg dans cette vidéo, je vous laisse 5 secondes pour le retrouver. Petit clin d'œil sympa qui montre que le propriétaire du compte lit bien les commentaires. Mais pour en revenir au mystère derrière ce compte, on avait la réponse depuis le début. Russell Cameron. En tapant son nom sur Google, on tombe sur le profil d'un artiste autodidacte originaire de Brooklyn à New York. Et non de l'Ohio malheureusement. Son objectif principal lorsqu'il crée une sculpture, c'est de lui donner vie et un sentiment de place parmi nous, les humains. Comme on a pu le voir, il mettait en scène toutes sortes de nourritures. Mais faut savoir qu'en 2015, il avait sorti une collection au nom de Flesh and Bone, qui pour le coup mettait en scène des parties du corps ultra réalistes. Sachant que reproduire l'apparence de la chair a toujours été considéré comme l'une des tâches les plus difficiles en tant qu'artiste, ceci est une vraie performance. Selon Russell, tout ce qui existe sur Terre a sa place, et ceux qui voient la beauté dans ce que la masse trouve grotesque ou dérangeant ont un don qui mérite d'être exploré. Ce qui est en partie vrai, il y a plein de personnes que l'on pourrait traiter de fous simplement parce qu'ils ont une vision très atypique d'un domaine en particulier, alors qu'en réalité, ils ont juste un don incompris. Après bon, sa phrase reste assez discutable. Si un artiste voit de la beauté dans quelque chose qui est légalement discutable, bah, je pense que ça n'a pas besoin d'être exploré. Hein. Mais si on en reste à son art, alors je peux pas dire que j'apprécie particulièrement ça. Néanmoins, je n'en reste pas indifférent. D'ailleurs, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. En même temps, qui ne serait pas réceptif à une banane qui convulse ? Quoi qu'il en soit, son projet d'avoir mis en lumière son art sur TikTok a été un franc succès, 65 millions de vues sur sa vidéo la plus célèbre, et d'autres millions au compteur. Si son objectif a été de faire connaître son art au grand public, à mon humble avis, c'est réussi. Même si la majorité des vues sont juste des gens de passage, d'autant plus qu'en regardant les commentaires, pas tant de personnes que ça ont l'air d'être au courant qu'il s'agit d'un art, eh bien ça a forcément attiré une minorité de personnes intéressées et qui le suivront dans ses futurs projets. Ok, donc là on attaque la troisième histoire et c'est vraiment là que, selon moi, ça commence à devenir réellement badant. Le 21 juillet 2013, une chaîne YouTube nommée Absar Akber a posté une étrange vidéo au nom de Ignoring Kidnapping, kidnapping ignoré en français. On y voit une personne filmant ce qu'il semble être un bureau de police et est en train de discuter avec des agents. Et nous aurons un peu plus d'informations et de contexte en description. Ils m'ont tous vu pleurer avec le chariot vide quand mon fils a été kidnappé. Au lieu de compatir, le gars au milieu a dit qu'ils ne sont pas responsables des étrangers. Cela fait 8 jours que je suis dans la ville où mon fils a été enlevé il y a environ 6 mois. Bien que la police locale sache où se trouve mon fils, elle ne me laisse pas le voir, même en ligne, parce que je suis un étranger. Étranger car en regardant le contenu antérieur de sa chaîne, on peut rapidement comprendre qu'il vient du Bangladesh à la base. I'm Alex here from Chittagong to show you the wedding culture of Bangladesh. Here I am in front of a community center. Un peu plus tard, une deuxième vidéo est postée dans laquelle on le voit distribuer des feuilles signalant la disparition de son fils. On peut très largement ressentir sa détresse rien qu'en remarquant le fait qu'il intercepte le plus de personnes possible. Ensuite, on le voit retourner au commissariat de police, s'arrêtant alors devant les premiers agents qu'il croise. Ceux-ci lui disent d'aller au quatrième étage. Et pris soudainement d'une angoisse intense, il décide de monter les escaliers en courant pour atteindre ce fameux quatrième étage. Mais étrangement, les services de police auraient soudainement fermé les locaux à la seconde où il a franchi la dernière marche. Perdant alors totalement le contrôle de la situation, il va se mettre à interroger brusquement les personnes qu'il croise. Hey, you speak, do you see, you read Chinese, take a look at this one.
quelques temps après, il revient à la charge et précise que la police s'est rendue dans sa chambre d'hôtel deux fois il y a une semaine et lui ont dit qu'ils allaient retrouver son enfant le lendemain. Ce qui est assez étrange car ça signifierait qu'ils savent où il se trouve. Enfin, je veux dire, on ne peut pas prévoir à l'avance quand on va retrouver quelqu'un s'il est perdu. Dans la suite de la vidéo, on le voit de nouveau implorer le retour de son fils qui n'a a priori pas eu lieu. Disant alors encore et toujours qu'ils ne peuvent rien pour lui car c'est un étranger, il détaille un peu plus la situation en description. Dès que nous sommes arrivés à Tianshui, dans le Gansu, nous nous sommes rendus au poste de police. Bien que j'ai rencontré les officiers de police qui sont les témoins parce qu'ils m'ont vu pleurer avec le chariot vide de mon enfant lorsque celui-ci a été kidnappé, ces personnes au sang-froid ont répondu qu'elles n'étaient pas responsables des étrangers. Ils m'ont donné l'adresse du bureau de la sécurité publique et m'ont dit que ce bureau était chargé de traiter le cas des étrangers en Chine. Ils nous ont donné l'impression que les étrangers ne recevront aucune aide en cas d'urgence en Chine. Donc nous sommes allés au bureau de la sécurité publique et ils ont dit qu'ils étaient seulement responsables des visas. Le PSB Police Security Bureau nous ont transmis aux affaires étrangères. C'était plus que stressant d'être des étrangers ayant peu de compréhension des Chinois et ces agents du gouvernement n'ayant aucune compréhension de l'anglais. Nous avons donc eu l'idée de distribuer des informations sur mon enfant disparu. Troisième vidéo, il se rend donc en toute logique comme conseiller au bureau des affaires étrangères, mais une fois arrivé, on lui dit que ce bureau n'existe pas et que c'est un mensonge. Après insistance, la personne en face de lui a finalement dit d'attendre que quelqu'un l'emmène, mais les galères continuent puisqu'une fois arrivé, on lui dit que cet endroit est fait pour les visas et à aucun moment pour retrouver son fils disparu. Et comme si ce n'était pas suffisant, les agents le méprisent car il ne parle que très peu chinois. OK, you said 没有外事课，现在有外事课吗？你们是外事办，你们让我说不要来，我不会说中文。你们拿的证书是啥？Il leur dit alors en chinois qu'ils peuvent contacter l'ambassade du Bangladesh, ce à quoi ils refusent car ils ne comprendraient pas la langue. Les officiers semblent passifs, ne dégagent aucune empathie et ne cherchent mystérieusement pas à faire évoluer la situation positivement. Même au moment où le ministre des Affaires étrangères a manifesté le fait qu'il pouvait parler mandarin standard, la langue la plus répandue en Chine, ils lui ont répondu qu'il ne pouvait pas le parler. La seule réponse qu'il va avoir ensuite, c'est qu'il ne le laisserait plus dormir à l'hôtel, alors que selon lui, il vit ici depuis 8 ans et demi, possède un visa qui n'a jamais expiré et qu'il payait ses impôts. My kid was born in a Muslim family, and he will should be raised up in a Muslim family. 嘛？你们不知道我儿子在哪儿？你们不知道我儿子在哪儿？我咋知道的？你们有警察，你们有什么都有在这里。你们你们不。Mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier ? À ce moment-là, le père devait vraiment avoir l'impression de vivre dans un monde alterné, un monde qui n'est pas le sien, personne ne le comprend et personne ne cherche à l'aider. Ensuite, il reprécise le fait qu'il n'a pas vu son fils depuis 7 mois et ne sait même pas s'il est encore en vie ou non. Mais ça ne fait ni chaud ni froid aux officiers. Quand tout à coup, il marque en bas de l'écran une phrase sans contexte. Ce gars est en train d'expliquer la loi chinoise. Je lui ai dit qu'elle s'était remariée et m'a interrogé sur les preuves. Elle. On va faire une supposition un peu évidente, mais il parle sûrement de son ex-femme. Si c'est le cas, ça explique pourquoi elle n'est pas avec lui pour rechercher son fils. La vidéo se termine ensuite sur un écran noir avec un texte qui défile. Tout le monde deviendra parent tôt ou tard. Si votre enfant de 3 ans ou votre fille est enlevé depuis plus de 7 mois, comment vous sentiriez-vous ? Si quelqu'un de mal intentionné ne vous laisse pas avoir de contact avec votre enfant pendant plus d'une demi-année, considériez-vous ça comme un crime ? Ok, alors on a beaucoup d'informations. Pour résumer, on a un père bangladais qui semble avoir perdu son fils. À un moment donné, il évoque un chariot, donc peut-être qu'il était dans un supermarché ou en tout cas à proximité à ce moment-là. Il donne des avis de recherche à toutes les personnes qu'il croise accompagnées d'un homme, d'où le « nous » dans ses messages. La police ne semble pas vouloir l'aider, ou plutôt n'en est pas en mesure, et le redirige vers les affaires étrangères. En s'y rendant, les officiers ne semblent pas être de la partie non plus. Mais moi, il y a un élément qui me perturbe. Son ex-femme. La seule fois qu'il en aurait parlé, puisqu'encore une fois c'est une supposition, mais ça me paraît cohérent, c'est qu'elle s'est remariée. Ce qui veut donc explicitement dire qu'elle est divorcée. Admettons que pour une quelconque raison, la garde de l'enfant soit accordée à son ex-femme, Apsara Akber aurait pu perdre la raison face à cette décision
et aurait pris ça pour un enlèvement alors qu'en réalité, il n'a jamais eu lieu. Et ce qui renforce cette hypothèse, c'est une vidéo postée le lendemain dans laquelle il dit qu'il change d'hôtel, et à la fin, il montre des documents lui étant envoyés par la justice. Après ça, il continuera de poster des vidéos normalement, on apprend qu'il est professeur des écoles en Chine, ce qui justifie sa présence dans ce pays, et ne reparlera plus de son fils, en tout cas, pas avant 5 mois. Le 17 février 2014, il a posté une vidéo « I love my Washington ». C'est un petit diaporama de 2 minutes 25 dans lequel il raconte à quel moment est né son fils, et l'immense bonheur que c'était. Il montrera plusieurs vidéos de lui, mais le plus intéressant se trouve dans la description. La plupart des gens que je connais en Chine, y compris mes étudiants, savent que j'ai traversé une énorme dépression à cause de l'enlèvement de mon fils. Ils savent aussi que l'attachement des parents est très important pour la croissance globale des enfants. On m'a fait perdre 3 mois et demi et 3 000 $ à Tianshui, Gansu en Chine. Et je n'ai pas pu rencontrer mon fils une seule fois. Cela fait plus d'un an et demi que les amis de sa mère m'ont battu à Tianshui, Gansu en Chine et m'ont enlevé mon fils. Donc selon ses dires, c'est sa femme et sa famille qui est à l'origine de l'enlèvement. Mais malheureusement, n'ayant aucune information supplémentaire extérieure à son point de vue, nous devons nous contenter de son discours. Et vous, qu'en pensez-vous ? Alors vous allez voir, cette histoire possède pas mal de similitudes avec la précédente, mais en encore plus glauque. Le 10 août 2022, un utilisateur de Reddit rédige un post assez inquiétant. Une chaîne YouTube vraiment bizarre nommée Garduela, liée à un trafic d'êtres humains. Dans son message, il dit qu'il se baladait sur YouTube et comme ça finit tous par nous arriver, il a fini par s'y perdre. Il s'y perd et tombe sur une chaîne étrange active entre 2011 et 2013. La plupart du contenu semble être des mini bouts de vidéos filmés à l'aide d'un vieux caméscope et chaque titre est créé sur la même base CIMG ainsi qu'un nombre .AVI. De toute évidence, il s'agit de la nomenclature par défaut d'un fichier vidéo en sortie de caméscope. L'utilisateur de Reddit précise que l'ambiance lui était étrangement familière et après quelques minutes d'analyse, il en était sûr. Cela était filmé dans la ville où il habitait, Lima, au Pérou. Globalement, il n'y a rien de vraiment dérangeant dans ces vidéos. La personne qui filme ne cherche pas à stalker quelqu'un en particulier. Cela ressemble juste à un simple archivage de vidéos souvenirs, bien qu'elle n'ait rien de spécial à première vue. Mais cela a commencé à devenir beaucoup plus glauque lorsque l'on descend progressivement dans la liste de vidéos. À partir d'un moment, on voit une petite fille, sûrement la fille du propriétaire de la chaîne, se prénommant Star. Encore une fois, cela peut être du simple archivage de moments passés avec son enfant, mais l'ambiance y est un peu bizarre. L'endroit où ils vivent semble être insalubre, il y a plein de déchets par terre, peu de mobilier, ils ne devaient vraisemblablement pas rouler sur l'or. Puis en scrollant de nouveau dans la map vidéo, on va en apprendre un peu plus sur son entourage. Il y a une vidéo dans laquelle il filme une personne qui est a priori sa femme, étant donné le contexte. Et en remontant cette fois-ci aux toutes premières vidéos de la chaîne, on le voit, on voit carrément son visage, et il est en train de faire des travaux avec des amis dans ce qu'il semble être une école maternelle. Right here, I'm with my man Kay, Kay Love. Yeah. And we're painting. This is Holy Cross and Preschool. This is Holy Cross Preschool of Holy Cross Lutheran Church, of which I am the pastor. This is my wife. On apprend donc en même temps qu'il est activement investi dans la religion du luthérianisme, une confession chrétienne. Et pour vous dire à quel point il est réellement investi dans cette religion, il a filmé plusieurs petites conférences, un petit tour de l'église ainsi que des représentations dans celle-ci. Maintenant qu'on a posé les bases, passons au concret, le nombre de vues de ces vidéos. Alors que ces mini-vlogs en comptaient entre 2000 et 10 000, lorsque l'on trie les vidéos par nombre de vues décroissantes, certaines vidéos ont pu atteindre un nombre de vues délirant au vu de l'envergure de la chaîne. 900 000, 400 000, et on voit clairement un point commun entre celle-ci, la petite fille. Et j'imagine que vous avez une petite idée de quel type de personne s'est regroupée sous ces vidéos. Bien que certaines vidéos ont la section commentaires bloquée,
D'autres sont complètement libres d'accès, donnant la permission à une quantité astronomique d'individus de complimenter la jeune fille et disant parfois des choses encore plus malsaines. Tous ces comptes sont pour la plupart sans photo de profil et ne possèdent aucun contenu afin de limiter les possibilités d'être retrouvés. Parfois, certains commentaires mentionnent le mot WhatsApp, sûrement un moyen pour eux de s'envoyer des vidéos dans leur réseau illégal. Mais étrangement, bien que les vidéos aient été postées il y a plus de 10 ans, cette affluence de commentaires n'a eu lieu qu'en 2021, au vu de la datation des commentaires. Ce qui augmente les chances qu'il s'agisse d'une découverte de l'un des membres de ce potentiel groupe, qu'il a partagé à toute la communauté. À ce stade de l'histoire, vous pensez sûrement qu'il s'agit du seul problème. Mais je dirais presque que ce phénomène n'est que tristement anecdotique, puisque ce n'est absolument pas là-dessus que nous allons nous attarder. Dans la suite du post Reddit, l'utilisateur a réalisé quelques recherches à propos du mot Gertuella et a trouvé un site WordPress vraisemblablement rédigé par le père. Et ce qui nous prouve qu'il s'agit bien du propriétaire de la chaîne YouTube, c'est un pseudo qui revient à chaque message. Islam Lima Peru, puisqu'en faisant une recherche Google, cela nous emmène vers un compte Instagram portant le même nom, présentant le même type de contenu, ainsi que son visage, bien qu'il ait vieilli depuis. Ce que l'on remarque également, c'est le fait qu'il aurait changé de religion, en étant cette fois-ci musulman, ce qui est assez étrange étant donné qu'il avait l'air très investi dans la région du luthérianisme quelques années auparavant. 510 pages. Le père a écrit l'équivalent de 510 pages sur ce site, que l'on pourrait définir comme un journal de bord dans lequel il écrit tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais aller à Buenos Aires et voir s'il y a une communauté musulmane là-bas, ou à Jakarta, où je sais qu'un soutien m'attend. Mais c'est le pire endroit, le plus inutile pour moi. Il n'y a pas de travail et pas de compagnie ici. Personne pour s'occuper de moi quand je suis malade, je dois partir d'ici. Chambre sûre et tranquille, 8$ la nuit dans un ghetto dangereux. Je n'ai jamais eu d'endroit stable avant de toute façon. Juste ces projets pour le bulletin des réfugiés au Yémen, et acheter des vêtements en gros pour les revendre. Mais au fur et à mesure que le temps passe, des messages de plus en plus perturbants commencent à apparaître. Si je vois l'un de tes frères et sœurs avant de voir Star, je le tue. Je vais visiter ce quartier plus souvent, il est très proche de moi. Tu m'as fait ça assez longtemps. J'ai choisi d'y aller, c'était mon choix. Personne n'arrête de dire ça, je vais les tuer. Même après avoir récupéré Star, si je les vois, je les tue. Il n'y a pas de justice autrement. Je ne vis ici que pour les attendre. Je sais que la dépression de Star disparaîtra une fois que tous vos frères et sœurs seront morts. Vous n'auriez pas dû vous ranger de leur côté. Et je pourrais monter dans un bus et être chez toi à San Juan en 15 minutes. Dommage que tu sois une si mauvaise épouse. Maintenant, certains d'entre vous devront mourir, puisque vous avez déjà prouvé que je suis un père inapte tout seul. Vous et votre famille le ferez. Je pense à comment les tuer tout le temps maintenant. Vous auriez dû me laisser tranquille et ne pas continuer à me dire que vous m'ameniez Star à partir de mars 2017. Je ne l'ai pas demandé jusqu'à ce que vous m'ayez fait abandonner tout ce que je faisais pour venir et me préparer à la recevoir dans une résidence plus agréable. Maintenant, je me prépare à les tuer. Il n'y a plus rien à espérer. Je ne te crois pas. J'achète un couteau bientôt. J'en ai vu un très grand à Chinatown. Toi et ta famille, allez le faire. Je pense à comment les tuer tout le temps maintenant. Wow. Donc on comprend qu'il avait bien une femme, accessoirement la mère de Star, mais qu'ils ont a priori fini par rompre. Il s'agirait donc d'une histoire de garde d'enfants qui vire au cauchemar, mais pour quelle raison? Eh bien pour avoir un peu plus de réponses de ce côté-là, il faut retourner sur son compte Instagram, et en regardant ses posts, on peut en voir un dans lequel il explique que sa fille a été kidnappée par des mormons depuis 2017. Alors pour info, des mormons seraient des adeptes du mormonisme, une religion plus ou moins considérée comme une secte, reprenant les mêmes codes que le judaïsme. Elle se serait donc faite kidnapper à Chula Vista en Californie par les proches de son ex-femme. Lui aurait trouvé de force un petit ami mormon qui aurait pour but de Star afin de la mettre en dépression et de toucher ce que l'on appelle un chèque d'invalidité chaque mois. Donc tout ça dans un but purement financier. La situation devenait tellement pesante que selon le père, elle commençait à se faire du mal. Just so you know, fucking goddamn family doesn't give a fuck about you. He's just crying, Ryan. I don't get crying. Ok, donc là on a beaucoup d'informations. Le père avance plein de faits, mais est-ce qu'on en a des preuves officielles? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que lui qui avance ça, donc c'est un peu comme si on était dans une bulle. Mis à part son point de vue, bah on n'a rien, les vidéos auraient pu très bien être sorties de leur contexte. À vrai dire, bah on sait pas d'où elles sortent. Bon, alors pour l'instant, aucun moyen de prouver l'authenticité des vidéos, mais après une longue soirée d'investigation, je suis tombé sur une multitude de sites reliant le nom de sa femme au tribunal fédéral.
Et ce qui est cohérent, c'est que certaines fois, Kurt, le père, parlait d'expulsion de la mère des États-Unis, et certains sites le mentionnent également. Et mentionnent à côté de cela des faits qui semblent extrêmement graves, tels que délinquance, délits et crimes, mandat et casier judiciaire. Et puis j'ai repensé au lieu dans lequel Star s'était fait kidnapper, Chula Vista. Et après quelques recherches, je suis tombé sur le compte Facebook de la police mentionnant une disparition qui n'a strictement aucun rapport direct avec notre histoire. Mais dans les commentaires, on peut apercevoir un compte qui se démarque du reste. Ibrahim. Les Mormons de Chula Vista constituent un réseau de trafiquants de méthamphétamine en col blanc que la police de Chula Vista protège. Les enfants ne seront jamais retrouvés. Essayez les programmes pour les sans-abri de Provo et les programmes de logement de SLC. Ils permettent des réseaux de distribution de méthamphétamine et refusent le logement aux mères célibataires pour le donner au réseau de distribution de méthamphétamine. C'est ainsi que mon ex-femme a été expulsée. Parce qu'elle souffrait de troubles mentaux et qu'elle avait des tendances criminelles, elle s'est retrouvée dans un réseau de distribution de méthamphétamine à Provo dans l'Utah. La méthamphétamine est dans le programme de logement et dans le programme pour les sans-abri. Bon, alors j'ai pas tout compris, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien Kurt derrière ce compte, et il dit que sa femme est reliée à un trafic de méthamphétamine. Et là où est le rapport avec le trafic d'êtres humains, comme l'indique le post Reddit, c'est ce lien qui emmène vers une page Tumblr, semblant écrite par une personne anonyme puisqu'elle s'exprime sans prendre la place du père ni un quelconque membre de la famille. Comment les vétérans militaires des Mormons de l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, s'attaquent aux enfants d'immigrants déportés de l'ère de Trump. Même si l'un des parents est un citoyen américain, ils vont gazer, traquer, calomnier et tuer l'autre parent afin que cet enfant devienne une mule à drogue travaillant pour l'ICE Mormon. Pourquoi les propres enfants de Julia? Pourquoi les oncles et tantes de Star ne peuvent-ils pas s'occuper de Julia? Au lieu de cela, ils vont faire assassiner le père de Star, Kurt, pour que Star puisse être l'esclave de sa grand-mère, Brudja Julia. Elle s'enrichira avec les chèques de pension de Chula Vista pour la dépression de Star. Vous avez fait exprès de maltraiter Star pour ça. D'ailleurs, en tapant le nom de Elizabeth sur Google, on peut tomber sur un article disant qu'elle a toujours voulu être enseignante, et même si elle a eu des difficultés, elle a réussi à le devenir. Peut-être une incroyable coïncidence ? Mais une fois qu'on s'est placé du côté du père depuis le début, qu'en est-il du côté de la mère? Est-ce que c'est vraiment une kidnappeuse trafiquante de meth? Eh bien, difficile à dire, certes on a vu certains sites mentionnant son nom dans des affaires louches, mais en parallèle, si on cherche bien, on semble avoir mené une vie totalement classique avec sa fille et avec sa famille en général. Elle a fondé une association, donc voilà, c'est compliqué de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Sous le post Reddit, évidemment des personnes ont enquêté, mais certains ont laissé des hypothèses plutôt intéressantes. Il semble qu'à un moment donné, la justice ait été impliquée. Peut-être que la chaîne a été créée pour prouver à un juge que le type prenait soin de sa fille et la gardait en sa possession. Ça aurait pu être une bonne théorie, mais le truc c'est que les vidéos datent d'une époque où les problèmes n'avaient pas encore eu lieu, donc techniquement ce n'est pas possible. Et d'autres personnes pensent que le voyage au Pérou était bel et bien une stratégie de la part de la mère et de sa famille afin de la retenir en captivité là-bas. Ce que je pense personnellement, c'est que Kurt a sombré dans la folie. Sa perception de la réalité a tellement été altérée qu'il en est venu à inventer des histoires de kidnapping liées à un trafic de meth et que le gouvernement serait lui aussi complice. En réalité, la belle famille et la mère se seraient simplement rendu compte que Kurt n'était pas capable de s'occuper de sa fille seule, notamment à cause de son hygiène de vie et son train de vie en général, et serait parvenu à obtenir la garde intégrale. Certains avancent même l'hypothèse comme quoi ce changement soudain et brutal de religion serait un symbole fort de maladie mentale, ce qui pourrait justifier son comportement et sa réaction face à la situation. Et vous? Que pensez-vous de tout ça? Pensez-vous que le père a sombré dans la folie, ou alors que sa fille, Star, a réellement été enlevée par sa mère? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié les histoires. N'hésitez pas à débattre en commentaire de celle-ci si vous avez certaines théories auxquelles je n'aurais pas pensé. Pensez au petit pouce bleu et à partager la chaîne à vos amis. Voilà, si vous voulez me faire évoluer sur la plateforme, il n'y a pas de meilleure solution. Si vous avez des idées d'histoires que je pourrais raconter dans un deuxième épisode, n'hésitez pas à me l'envoyer sur cette adresse mail ou sur Instagram ou Twitter, comme vous voulez. Bref, sur ce, il est temps pour moi de vous laisser et à dans plus d'un mois.